Bonjour, nous sommes en direct de Montreuil, quartier sensible. Ici la BAC, ils ont arrêté un malfaiteur qui vendait des paquets de granola. À vous les studios. Jean-David, Patrick Mamadou, John Rachid et Pierre-Alex ont attrapé un jeune immigré. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, mais je pense que... On se retrouve tout de suite au commissariat de Montreuil pour avoir le témoignage de Jean Mamadou et avoir le témoignage aussi du petit immigré. Oui, Patrick Mamadou, brigadier chef à Montreuil depuis 40 ans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de malfaiteurs ici et nous on les met au trou direct. Alors là, nous allons assister à l'audition avec mon collègue colonel Trichard. Puis il est également spécialiste dans le vol et l'étalage depuis 40 ans. Alors nous allons assister à l'audition. Alors jeune homme, qu'est-ce que vous faisiez entre la nuit du 15 août et du 14 juillet? Je parle pas français. Oui, ben vous parlez pas français. Quand c'est pour voler à l'étalage, là vous savez parler français. C'est une langue internationale, hein? Je parle pas français. Oui, ben tu vas finir par t'en prendre une dans la gueule. Ça fait une dans la gueule, ça va te faire tout drôle. T'en veux que... colonel Trichard, vous prenez le relève parce que moi je pense que je vais en mettre une torgnole dans sa gueule et ça... Écoute-moi, j'en ai marre. Nom, prénom, adresse. Je parle pas français. Pourquoi t'as volé ça? Et c'est ainsi que colonel Trichard et Jean... Merde. Et je péché. Et Jean Mamadou à Montreuil... Ouais, viens en trou. Bon, on les laisse. Ici Jean-Marc de la Villa... Petit bonhomme, tu parles français? Je parle pas français. Tu parles quelle langue alors? À la semaine prochaine pour une nouvelle épisode de Zone Interdite.